Voilà, c'est bon pour moi. En termes de temps, mais en fait, ça va dépendre d'eux. Tant qu'ils sont là, je suis avec vous, je m'arrête au moment où ils partent. Alors, je préviens toujours un peu parce que quand ils partent, ils peuvent le faire de deux manières différentes. C'est soit tout s'arrête d'un seul coup, ou alors ils me font sentir que leur énergie est de moins en moins présente. Et ça, dès que j'ai la perception de cette sensation-là, je vous la sens cesse. En général, c'est quelques secondes ou quelques minutes avant qu'ils ne partent. D'accord, très bien. Mais voilà, au moins, je peux vous prévenir. Ce qu'il faut, de toute façon, c'est de ressentir que par rapport à ce que vous allez entendre, eh bien, ça vous parle. Vous sentez que c'est bien aligné avec vous. Si pour une raison ou pour une autre, il y a besoin d'arrêter la communication, vous dites juste qu'on arrête la communication, et puis on l'arrête. D'accord, très bien. Il faut vous sentir à l'aise. Voilà. Eh bien, ça marche. Parfait. Donc, eh bien, si de votre côté, eh bien, vous êtes prête, vous me le dites, ce sera juste pour moi le temps de me concentrer quelques instants, le temps d'appeler vos guides, et puis dès que j'aperçois, bon, eh bien, on va découvrir comment ils souhaitent communiquer avec vous. D'accord, mais c'est bon pour moi. Ok, parfait. Alors, je suis en train de voir, je me suis peut-être trompé dans votre nom de famille. Vous êtes madame, c'est... Alors moi, j'ai noté Véfond. Ouais, c'est ça, V-E-F-O-N-D, Véfond. Non, j'écris tellement mal que... D'accord, bon, bah c'est ça. C'est ok. Parfait. Bon, écoutez, je me concentre quelques instants, et puis, bon, voilà. Dès que je commence à recevoir des informations, je vous les transmets toutes. D'accord. C'est possible. Oui. C'est rapide, c'est très rapide. Et par rapport aux informations qu'ils m'envoient, je pense que bon, c'est aussi peut-être pour que je vous explique, mais on voit que la manière dont ils fonctionnent avec vous, on n'y va pas par quatre chemins, hein, c'est direct. Hein. Oui. Et donc les informations qu'ils vous envoient, de toute façon, font que moi j'ai du mal à les percevoir parce que je n'ai pas cette rapidité, on va dire, de pouvoir intercepter leurs messages, leurs informations. Oui. Mais vous, on voit que ça va vite. Hein. C'est-à-dire que. Il vous envoie l'information, vous la captez, c'est quasi aussitôt, et on sent qu'il n'y a pas spécialement à prendre du recul ou à se positionner. Vous avez l'information, vous agissez, que ce soit pour vous, pour les autres, dans le quotidien, on sent que c'est très rapide la façon dont, même ils me disent, enfin, là ce qu'ils me font sentir, c'est que même par rapport à vos ressentis, apparemment vous êtes quelqu'un d'intuitif, hein, c'est ce que j'arrive à comprendre. Oui. C'est de pouvoir voilà, écouter votre intuition, vos émotions, c'est pareil. On voit que tout s'adapte à un rythme. C'est rapide, c'est très très rapide. Donc pour l'instant, moi ce qui me fait sentir, c'est la manière dont vous fonctionnez et on sent qu'il faut que ça aille à l'essentiel. On ne perd pas de temps. S'il y a une information, mais visiblement, vous avez déjà vous la capacité à les percevoir, mais de façon très nette, très claire. Et ce n'est pas fait pour que vous fassiez cette sensation-là, que vous n'ayez pas vous à perdre de temps. Oui. De ce qu'ils me font comprendre, c'est qu'on a tendance aussi, enfin, c'est pas qu'on a tendance, mais de l'extérieur, en tout cas, c'est une perception que l'on ressent. Donc, ça veut dire que les autres peuvent venir visiblement vous solliciter. Oui. Pour avoir des informations, parce que, eh bien, on va savoir que grâce à vos aptitudes, à votre capacité, à votre personnalité aussi, vous allez pouvoir nous permettre de nous orienter, nous réorienter si on s'est trompé. Donc c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'avec vous, en fait, on sait qu'on va avoir une réponse. Même si ce n'est pas la réponse spécialement qu'on attend, mais en tout cas, c'est la réponse visiblement la plus adaptée à ce qui nous correspond dans notre vie à nous, dans notre quotidien, mais aussi dans les actions qu'on a menées. Donc ça va vite, hein. Encore je m'adapte. Oui. Ça va très vite. Oui.
Oui, ça sort tout seul. Souvent, ça, j'ai pas le temps de, le mental n'a pas le temps d'intervenir. En fait, ça sort tout seul. Ouais. Mais c'est très bien, tant Oui, mieux, parce tout. que Ouais. on voit que c'est comme ça qu'il souhaite que ça fonctionne avec vous, parce qu'il faut voir, c'est comme s'il vous envoyait en fait, alors, ça ressemble à un disque lumineux, hein, mais on voit que dans ce disque-là, il va à une vitesse, alors je pourrais dire la vitesse de la lumière, hein, pour faire très simple, Oui. vous vous captez et tout de suite vous le percevez. Donc il n'y a même pas ce côté-là de dire, il faut que je prenne du recul par rapport à ce que j'ai à dire ou à faire. Oui. C'est adapté par rapport à la situation que vous vivez, c'est adapté par rapport aux personnes que vous rencontrez. Donc c'est ça qui est pas évident. Bon, j'ai l'impression que c'est ça qui n'est pas, peut-être pas toujours évident, c'est de se dire, voilà, est-ce que finalement, par rapport à ce que je dis, j'ai passé une erreur? Oui. Est-ce que je ne suis pas allé trop vite non plus dans l'interprétation? Oui. Surtout qu'on voit que vous interprétez. C'est pas que vous interprétez pas, c'est-à-dire que vous voyez tout de suite ce qu'il faut faire. C'est vraiment ça, c'est de vous dire, voilà, je dois m'inscrire des fois dans un univers où il y a des cadres, il y a des façons de faire, il y a des rituels, il y a des protocoles. Moi, j'arrive. Et en fait, tout ça, je le mets de côté. En fait, c'est un petit peu. Alors, ils font voir, c'est comme. Alors, je vous lis ce qu'ils font voir. Hein. C'est une toute petite pièce, voilà. Alors, ça, c'est des caplas. Et vous arrivez, et en fait, vous mettez tout par terre. C'est pas que c'est dans le but, en fait, de tout détruire par plaisir, mais c'est parce que, voilà, vous avez besoin de cette liberté-là. Vous avez besoin, en fait, de pouvoir. Il faut de l'espace autour de vous. Hein, et il faut que ça avance vite. Et c'est pareil, les personnes qui sont en mesure de pouvoir le mieux vous accompagner, il faut que ça. Il faut qu'ils puissent intégrer le fait que vous alliez vite. Et qu'on n'essaye pas de vous. Alors pour moi, c'est de vous enfermer. Hein. À partir du moment où il y a une forme d'enfermement, Oui. très rapidement, vous pouvez avoir la sensation, ils me disent, d'étouffer, mais c'est surtout de tourner en rond très rapidement et à un moment de perdre le rythme, en fait. C'est-à-dire de ne plus vous réussir à vous centrer. Oui. Donc il faut faire. Alors, je ne vais pas dire que vous ne pouvez pas vous adapter, hein. C'est pas ça. Mais à partir du moment où on vous demande de ralentir. Alors moi, c'est ce qu'ils me font vous dire. Le fait de ralentir le rythme, si vous ralentissez le rythme qui est le vôtre, c'est là où on sent que vous êtes en mesure de pouvoir ouvrir des. Alors c'est pas d'ouvrir des portes, mais on sent que c'est peut-être là où vous allez plus facilement réussir à vous désorienter finalement. Parce que le rythme donne une vitesse et ça permet, ils me disent, un centrage. Dès qu'on commence à ralentir ça, bon bah visiblement c'est aussi toutes les informations que le mental peut vous ramener. Je suis à ma place, est-ce que je fais bien? Est-ce que j'ai fait les bonnes actions? Est-ce que j'ai pas oublié quelque chose? Et là on sent que tout de suite ça peut prendre une proportion impressionnante et ça peut venir à vous, alors je vais pas dire à vous stopper dans vos élans, mais à très fortement vous ralentir. Et comme vous n'avez pas l'habitude en fait de cette forme de ralentissement parce que tout est fait pour que ça aille vite, même si c'est pas toujours confortable, en fait c'est que vous puissiez voilà aller droit, alors pour moi, c'est vous allez en fait à l'essentiel, hein, vous allez droit au but. Oui. Vous êtes, alors comment je vous traduis ça? Vous aviez perçu que comment je pourrais dire, votre façon de percevoir, alors je veux dire la vie en règle générale, ça a pu vous amener en fait dans des situations, enfin, c'est pas toujours, mais avec des personnes en fait qui étaient dans des. Je ne sais pas si je peux dire du conflit, mais comme si on n'arrivait pas à vous comprendre. Ou alors, malgré le fait qu'on ait bien perçu que vous ayez raison, on va à l'encontre de ce que vous avez dit pour vous montrer que, eh bien, il y avait peut-être un autre moyen de faire, que vous auriez peut-être eu tort. Je sais pas. Après, je suis souvent confrontée au mental, à l'ego des personnes quand elles ne veulent pas Oui. voir les choses. Ben, c'est exactement ça. Ouais. C'est là où vous en êtes, l'ego des personnes. C'est-à-dire que vous allez avoir des personnes qui vont percevoir la vérité. Alors, je vous dis les mots que j'entends, hein, je ne Oui. vous dis pas ça pour faire Oui. plaisir. Hein. Ok. Mais on voit bien que, enfin, ce qu'il me dit, c'est qu'en fait, vous allez être confronté en fait, à des personnes qui vont percevoir en fait que vous avez juste, que vous êtes dans la vérité, que vous mettez le doigt là où généralement ça fait mal, hein, donc ce n'est pas Ah oui, toujours agréable, non. mais c'est la vérité. Hein. C'est une vérité, c'est un fait. Ok. Donc, tout ce que vous allez transmettre en fait est juste. Alors, ça plaît ou ça plaît pas, mais ce qu'il y a, c'est que vous avez des personnes qui vont avoir de l'ego, de l'orgueil, et en fait, c'est plutôt vers ces personnes-là où ils me disent, voilà, attention à vous. Attention à vous, parce qu'en fait, elles vont être dans une dynamique avec vous, où vous allez pouvoir vous dire, mais est-ce que j'ai bien perçu? Est-ce que je ne me suis pas trompé? Elles vont essayer, en fait, de camoufler une faiblesse, ou alors le fait qu'elles soient dans du mensonge, en retournant les actions contre vous. Donc, c'est là où on sent que ce n'est pas toujours évident, parce que vous allez mettre, en fait, en avant. Alors comment je pourrais le dire? Peut-être un jeu. Voilà, c'est plutôt moi c'est comme ça qu'ils me font voir une scène de théâtre. Vous allez mettre en fait à jour le jeu des personnes
et vous allez leur signaler que bien, en fait, vous avez tout vu. Et que pour que ça se passe bien, eh bien, vous aurez peut-être des choses à rectifier. Il vaudrait mieux qu'ils vous écoutent pour que ça puisse se passer. C'est marrant, mais vous êtes souvent en contact avec des gens comme ça, ouais. Avec des, qui peuvent avoir des tempéraments assez forts. Oui, ouais, régulièrement, ouais. D'accord, parce que vous allez voir des gens avec des tempéraments un peu forts, voilà. Et on sent que c'est... Alors, je ne vais pas dire que vous les attirez vers vous, mais ils viennent vers vous, voilà. Ils ont envie aussi d'être un petit peu dans une forme de confrontation. Ils sentent que vous êtes bien enraciné, que vous êtes bien aligné avec vous. Et ils vont essayer de... Mais il y a peut-être parce qu'il y a un peu l'image de, cette, de la femme que vous êtes aussi. Hein. Ils vont essayer voilà, de vous montrer que non, finalement, c'est eux qui maîtrisent, c'est eux qui sont plus forts que vous. Donc, ça vous amène des fois dans des situations où ils me disent il ne faut pas lâcher prise, justement. Il faut aller au bout de ce que vous avez ressenti et aller... Alors, comment je traduis ça hein. Visiblement, c'est d'aller au bout, même si vous avez la sensation parfois d'avoir une forme de répétition. C'est ce qu'ils me font vous dire, voilà, des répétitions par rapport à ce type de personnes qui ont, on va dire, du tempérament et de l'ego. Mais en fait, si vous voulez, y a ma mère hein, toute sa vie, et récemment, il y a mon ex-conjoint. Et c'est vrai que c'est vraiment répétitif parce que je me retrouve face aux mêmes personnes qu'on pourrait un peu traduire comme manipulateur. Enfin, je parle de l'ego, hein, de leur mental, un peu manipulateur, voire même peut-être pervers narcissique. Et je suis régulièrement confrontée à ce genre de personnes, peut-être pour faire sortir un peu la lumière en eux ou en tout cas les bousculer un peu. Exactement ça. Vous avez bien perçu, hein, parce que c'est ce qui vous amène à vous dire. Là, le fait que ce soit répété, ce n'est pas une répétition parce que vous avez fait un faux pas. Oui, je me demandais. Parce que... Non, ce n'est pas ça. Okay. Hein, c'est pour ça que je pense qu'ils essayent aussi un petit peu de vous rassurer. Okay. C'est parce que dans les actions que vous menez, effectivement, c'est... Et puis, ils le disent tout de suite. Hein, donc, il y a cette forme de répétition qui va se mettre un petit peu en place dans votre vie parce que ces personnes ont besoin d'entendre des vérités. Elles ont besoin de voir que la mise en scène qu'elle mettait en place, vous l'aviez perçue et que ça ne fonctionne pas avec vous. Oui. Donc, en fait, vous amenez à réorganiser en fait, leur mise en scène pour qu'ils puissent non plus, on va dire, avoir un regard toujours, on va dire, accusateur vers les autres. Voilà, c'est vous le problème, finalement. Oui. Mais qu'ils puissent voilà, revenir un petit peu au centre de la scène et se dire, bah oui, mais finalement, il y a peut-être des choses que moi, j'ai mal faites, que j'ai mal interprétées ou que je ne veux pas faire parce que ça me demande des efforts. Donc, ils vous disent, hein, il va y avoir cette forme de répétition un petit peu dans votre quotidien, mais c'est parce que vous avez besoin de ramener de la lumière là où c'est sombre. Oui. Ils le disent, hein, c'est loin d'être évident. Oui. Et c'est ça où, en fait, ce qu'ils vous disent aussi, c'est vous n'avez rien fait, en tout cas, pour créer ça dans votre quotidien. D'accord. Ça fait partie d'une de vos missions, justement, de pouvoir ramener de la lumière là où c'est sombre. Parce que vous allez vite, vous allez à l'essentiel, c'est efficace. Et de toute façon, ils vous comprennent. Hein, ces personnes qui ont un petit peu d'orgueil, oui, c'est bordel. Oui. En tout cas, qui ont cette forme, effectivement, hein, de tout centrer sur eux, sur elles, oui. Eh bien, c'est que pour que vous puissiez, en tout cas, un petit peu, un moment, même si c'est d'un degré, au moins au niveau du degré que vous avez changé, ça va, sur le temps, en fait, ça va amplifier. C'est-à-dire qu'ils vont, travailler sur eux. Il y a moins, de toute façon, ils vont devoir travailler sur eux parce que sinon, ils vont se retrouver dans des blocages. Oui. Donc, il y a comme ça beaucoup d'actions qui sont faites dans votre quotidien, c'est tourner vers les autres, mais ce n'est pas que vous êtes trompé ou que vous ayez des besoins de combattre sur des schémas de répétition. D'accord. Vous êtes, ils me disent que vous êtes une femme de terrain. Oui. Voilà. Quand ils me disent terrain, j'ai l'impression que vous êtes... Il y a du matériel, enfin comment je peux le traduire? C'est comme s'ils me présentaient des casques, il y avait des... Je fais au marché, je fais les marchés en fait, je revends des plantes médicinales et je viens d'aménager un van pour parcourir pendant 4 mois la France à la rencontre des gens justement. Donc je pense que c'est ça. Parce qu'ils me font voir que voilà, il y a des outils en tout cas pour que vous puissiez... Alors comment je pourrais le traduire c'est avoir les outils en tout cas avec vous, en vous, pour pouvoir... Alors je veux dire... avancer, mais on a l'impression que dans votre avancée, c'est aussi bien avancer pour vous, avancer pour ceux qui vont venir vers vous. Donc, ce qu'ils font voir aussi, c'est en fait ces personnes en fait, qui viennent vers vous. Parce que soit on perçoit votre énergie, soit ils me disent on perçoit votre sensibilité. Et j'ai l'impression que votre sensibilité, elle vous sert beaucoup, votre sensibilité. Là, c'est ce qui me... alors comment, je vais pas dire que c'est une sensibilité émotionnelle en fait qui vous amène à comment dire, à vous perturber.
Moi, ce qu'ils me mettent en avant, c'est votre sensibilité, mais c'est justement la façon dont vous percevez l'extérieur, la façon dont aussi vous, vous percevez les personnes qui peuvent venir vers vous. Votre sensibilité, en fait, ils me disent, elle vous permet tout de suite de savoir qui est la personne, est-ce qu'elle est bloquée, est-ce qu'il y a des douleurs. Alors, quand ils me disent des douleurs, ça peut être des douleurs physiques, mais c'est aussi des douleurs psychologiques. Oui. Ils me disent que vous avez une perception très, très nette, en fait, de qui vient en face de vous et la manière dont, alors ça c'est très rapide aussi, c'est la manière dont vous, vous le percevez. Ça se passe en, alors je vais dire, si je peux dire moins d'une fraction de seconde, c'est moins d'une fraction de seconde. Vous savez qui est en face de vous. Ça va vous permettre de pouvoir vous adapter à cette personne, mais toujours avec, ça c'est impressionnant, parce qu'ils me disent que vous conservez toujours le fait d'être juste, d'être dans la vérité. Donc, on voit que dans la manière de vous comporter face à quelqu'un qui vient vers vous et qui aimerait peut-être entendre certaines choses sur elle pour que ça lui fasse du bien, pour que ça l'encense un petit peu, on voit que vous, vous ne perdez pas le fil de vos ressentis. C'est-à-dire que ça, ça ne fait pas partie de vous. Vous n'êtes pas là pour, comment je pourrais dire, pour flatter. Ça ne fait pas partie de vous. Vous ne flattez pas. Ou alors, si vous flattez, c'est que c'est juste. Hein. Mais en tout cas, vous n'allez pas flatter pour vous attirer, en tout cas, les bonnes grâces des personnes. C'est assez impressionnant parce qu'on voit que la manière dont vous fonctionnez, en fait, si vous sentez que par rapport à ce qu'attend la personne, il faut aller à l'encontre ou alors il faut la bousculer un petit peu, elles me disent écoutez-vous. Okay. Là, il n'y a, a pas à travailler dessus. J'ai l'impression que c'est quelque chose visiblement sur lequel vous aviez des doutes. Ouais, c'est. Enfin, des doutes, non. Oui et non. Après, je me demande comment je peux en faire une activité professionnelle. Là-dessus, j'ai des doutes, effectivement, que je suis toujours à ma place au marché ou qu'il faut que je fasse autre chose. Mais je rejoins tout ce que vous avez dit. Les gens, j'en rencontre beaucoup, là. Et c'est vrai que tout de suite, ils vont parler, ils vont se libérer, ils vont. Enfin, voilà, je suis là pour ça. Maintenant, de là à en faire une activité professionnelle, voilà, c'est là où je ne sais pas comment faire, en fait. Oui, bon, on va leur poser la question parce qu'on voit que vous avez plein de, on va dire, vous avez plein de capacités qui sont surtout tournées donc aussi vers les autres, mais c'est la manière dont vous allez pouvoir aussi leur transmettre des informations qui vous viennent, hein, c'est une façon de canaliser, hein, parce qu'il ne faut pas, se cacher des choses. Hein. Vous canalisez des informations et vous allez les transmettre. Oui. Donc, elles vont s'adapter en fonction. C'est-à-dire que vous adaptez complètement, ils me disent, voilà, c'est de pouvoir vous adapter à la personne, et dans cette adaptabilité, je vais y arriver, c'est de toujours faire en fonction de ce que vous avez pressenti au tout début. Donc eux, ils ne sont même pas à vous dire, voilà, on s'adapte, on prend du recul et on voit ce qu'on a à dire après. Non, c'est vous canaliser, vous adapter, alors peut-être certains mots en fonction de la personne, savoir si vous, vous avez perçu qu'elle est dans une forme d'évolution ou pas. Donc c'est de pouvoir adapter les mots que vous allez transmettre, c'est juste ça. Parce que dans les actions, c'est juste. C'est de ne pas justement, alors comment je pourrais dire, être en retrait par rapport à ce que vous ressentez. On me dit, c'est toujours dans quelque chose de juste. D'accord. Donc, où est-ce qu'il ça y est, je les ai perdus. Ils ont été trop vite pour moi, là. Voilà, ils reviennent. Donc, c'est de pouvoir, ils me disent, utiliser, en fait, tous ces ressentis-là, mais c'est déjà, ils me disent, dans un premier temps, pour que vous puissiez être clair avec vous-même. En tout cas, pour le moment, il n'y a rien à changer de la personne que vous êtes, la façon dont vous vivez, la façon dont vous transmettez les informations et la manière dont vous êtes en train, ils me disent, vous êtes en train d'éclore. Ok. Donc, vous n'êtes pas encore complètement trouvé. Oui. Bon, alors. Donc, ils me disent, vous êtes, c'est assez impressionnant, en fait. Vous êtes, ils me disent, voilà, vous êtes en train d'éclore. Donc, la personne que vous êtes, me disent à aujourd'hui, elle a encore à découvrir qui elle est. Donc, c'est marrant parce que vous me parliez que vous êtes en train de faire un tour de France. Oui. J'ai l'impression que ce tour de France, vous allez faire le tour de vous-même aussi. Hein. Oui, bien sûr. Ouais. Là, parce qu'ils me disent que vous allez. Ils me disent que c'est une année qui est. Alors, mais j'ai l'impression que pour moi, ça a déjà commencé il y a quelques mois en arrière. Hein, parce qu'ils me disent que c'est une année qui va être très riche. Oui. Très riche parce que vous allez apprendre et découvrir beaucoup de vous. Vous allez apprendre les autres. Ils me disent que c'est aussi des étapes. Alors, comment je vous dis? Des étapes parce qu'il va y avoir des rencontres. Il va y avoir des rencontres, mais aussi il va y avoir des sensations un petit peu de. Alors, je peux dire de. Alors, je vais dire de solitude, mais de solitude plutôt sur de la réflexion, sur de l'observation par rapport à ce que vous ressentez. Parce que vous êtes en train, ils me disent, de vous découvrir et dans la découverte, alors il y a plusieurs choses. Ils me disent que vous êtes en train de découvrir que vous avez une perception très fine sur qui est en face de vous, la manière que vous. En fait,
D'accord, ils le disent. Donc, la manière dont vous canalisez les informations, vous canalisez bien les messages, la façon dont vous pouvez le réciter aux autres, mais ils me disent, voilà, maintenant que vous en êtes arrivé à sentir que vous avez on va dire des attitudes, une sensibilité, et voilà, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais au quotidien? C'est ça. Donc, c'est pas fait pour rester dans l'ombre, hein, de toute façon. Oui. Non, il me dit que c'est pas fait pour, parce que c'est vrai qu'on pouvait se dire, bon bah voilà, je l'utilise en fonction de mon quotidien, au fur et à mesure, comme ça. Mais là, on voit, enfin, parce que ça, il me dit que c'est pas fait pour rester dans l'ombre, justement. C'est pour vous mettre, vous, en lumière. On sent qu'il y a une certaine difficulté à vous faire confiance. Mmh, oui, des fois, ouais. Une petite difficulté. Hein. Donc, il me dit, voilà, c'est aussi, c'est pour ça que ce Tour de France, finalement, bon, en fait, il n'est pas bien. C'est, vous êtes en train de faire un voyage, alors, je veux dire, extérieur, mais aussi intérieur. Et c'est pour vous permettre, voilà, de prendre confiance. Ils me disent prendre confiance en vous. Vous avez beaucoup de ressentis. Alors, bon, ce qu'ils mettent en avant, c'est le côté, alors comment je vais traduire ça? La nature. Oui. Ils mettent la nature, l'environnement, c'est ce qu'ils mettent tout de suite en avant. Ah, visiblement, vous avez commencé, enfin, vous avez commencé aussi à changer votre alimentation. Oui, je commence, oui. Ouais, parce qu'ils me parlent de votre alimentation qui est en train de vibrer de façon beaucoup plus haute et beaucoup plus positive. Donc, bah, je vous dis, donc, bah, c'est très bien. Il faut continuer. Okay. Mais non, le fait de transformer, voilà, de changer un petit peu, voilà, ils me disent, votre alimentation, vous allez ressentir que ça a un effet sur le corps, ça a un effet, mais ils me disent comme si c'était dépuratif. Voilà. Vous êtes en train de détoxifier, ils me disent, votre corps, vous êtes en train de le renforcer. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose que vous testez, ils me disent que vous testez beaucoup sur vous. Donc, c'est important que vous puissiez déjà vous en rendre compte par vous-même, et après, une fois que vous l'avez testé sur vous, ah, ça a coupé, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends, oui. Ah, d'accord, non, oui, parce que de mon côté, ça a coupé. Oui, oui, j'ai cru aussi que, oui. Et donc, ils me disent, le fait que vous puissiez l'expérimenter sur vous, c'est ce qui vous permet de pouvoir être complètement après légitime sur, voilà, j'ai expérimenté, ça fonctionne, voilà, je sais de quoi je parle parce que vous l'avez expérimenté par vous-même. Oui. Donc, tout ce qu'ils sont en train de mettre en place, c'est que, là, il me dit, c'est une phase, en fait, vous rentrez dans l'expérience. Donc, ça passe par la nature, mais ça passe pas que par la nature, parce qu'il dit, ça passe aussi par les énergies. Oui, mais les énergies, c'est-à-dire... Ah, vous avez fait une formation pour travailler sur... alors, c'est parce qu'ils font voir vos mains. Oui, 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 en fait, je fais du magnétisme, magnétisme. D'accord. Parce qu'ils me faisaient voir donc vos mains, et alors, parce que je leur demandais, enfin, pour eux, c'était simple. Ben oui, mais il y a l'énergie à travers les mains. Ouais, moi, je ne sais pas. Donc, bon, ils me faisaient voir vos mains, d'accord. Alors, on va aller voir. Bon. J'ai beaucoup de fourmis dans les bras en ce moment, et justement, j'ai l'impression que c'est l'énergie qui demande à sortir. Enfin, ouais. Oui, c'est ce que j'ai fait. C'est exactement ça qui me faisait ressentir que là, en ce moment, ça circule fort, hein, oui, au niveau énergétique, hein, dans, ouais, votre corps. Hein. Ouais, mais je ne sais pas trop quoi en faire, du coup. Enfin, ouais. Ah, bon, bien. Vous aviez pensé utiliser un pendu? Alors, j'ai déjà essayé lors de l'année de naturopathie, mais mon mental, j'ai l'impression, interfère. C'est pas tout à fait juste. Enfin, j'ai la réponse que je veux avec le mental, en fait. Donc, j'ai un peu de difficulté à utiliser un pendule à lâcher prise. Ouais. Bon, parce que, en fait, ils me disent que le pendule. Alors, ils me présentent deux types de pendules différents. Donc, j'ai le pendule classique, oui, mais j'ai aussi. Alors, je sais pas si le terme, c'est les baguettes de sourcier. Pardon, excusez-moi. Non, mais avant que vous le disiez, je les ai emmenées avec moi dans le camion, et effectivement, ah, je suis beaucoup plus à l'aise avec les baguettes de sourcier. Ouais. Voilà, c'est ce qu'il me présente, hein, les baguettes. Et il me les utilise, enfin, pour moi, il me les présente de la même manière qu'un pendule. Hein. C'est que vous avez les réponses, ça calcule tout. Enfin, vous pouvez tout faire avec. D'accord. Et donc, ils me disent par rapport à vos mains, c'est de pouvoir utiliser, donc là, en ce moment, donc, en fait, votre magnétisme, mais c'est de l'utiliser. Alors, ils me présentent des petits sachets. Alors, je sais pas si c'est de la tisane ou si c'est des. Je sais pas ce que c'est. Ouais. Alors, je vous dis, j'ai un sachet transparent et dedans, j'ai des feuilles. Voilà, j'ai plein de feuilles. Ok. Donc, on voit. Donc c'est. Alors, il y a deux sachets, pardon. Il y en a un qui était derrière, j'avais pas vu. Donc, il y a deux sachets. Il y en a un, voilà. Vous les prenez au même endroit. Et il y en a un, vous posez vos mains et en fait, vous le magnétisez. D'accord. Voilà. Ils me font voir, vous le magnétisez et l'autre, vous le laissez tel qu'il est.
vous prenez vos baguettes de sourcier et en fait vous regardez le taux en fait vibratoire d'un sachet que vous avez magnétisé et de celui sur lequel vous n'avez rien fait. Et ils me font voir les baguettes qui se... Enfin, vous allez voir les baguettes. Ça n'a pas du tout la même vibration en termes de distance. C'est-à-dire que celle que vous allez magnétiser, vous allez voir que la vibration qu'elles émettent, elle est assez importante. Mmh. Et celle que vous avez magnétisée, la vibration, elle est beaucoup moins importante. Donc, avec vos mains, ils me disent en fait, il y a... vous pouvez magnétiser, ils me disent, tout ce qui est en lien avec... pour moi, c'est... je ne sais pas ce qu'il y a dans ces sachets, j'ai des feuilles. Des plantes médicinales? J'ai des feuilles ou des plantes, enfin j'ai... Il y a des choses à l'intérieur, enfin, je ne sais pas si c'est pour mettre, pour faire des tisanes, pour consommer, mais il me dit c'est de pouvoir utiliser en tout cas votre magnétisme sur... Alors pour moi, c'est, ça reste vivant, hein, même si c'est sec, ça, c'est vivant. Oui. Et donc de faire, donc de pouvoir le tester, d'utiliser les baguettes et de voir voilà, la vibration qu'ils émettent sur un qui a été magnétisé et celui qui ne l'a pas été. Il me dit c'est exactement la même chose sur tous les objets que vous allez pouvoir toucher. C'est de vous rendre compte que votre magnétisme, une fois que vous l'avez transmis, ça peut être un objet, ça peut être une plante, ça peut être sur de l'action. Mais ils me disent, votre alimentation elle-même, sur de l'eau aussi, vous pouvez magnétiser de l'eau. Oui. Eh bien, c'est de voir la vibration que ça émet avant et après. Ça va vous permettre de vous rendre compte que votre magnétisme, parce qu'ils me disent que vous n'utilisez pas assez votre magnétisme, eh bien, que votre magnétisme, c'est aussi une manière, en tout cas pour vous, de pouvoir transmettre des informations, de pouvoir l'utiliser pour, alors je vous dis, hein, ils me disent, pour rééquilibrer, pour soigner. D'accord. Vous allez aussi, ils me disent, pouvoir utiliser votre magnétisme. Alors, ah, vous êtes vous vous intéressez au pierre? À la... Oui. Au numéro? Oui, J'en ai sur le stand et j'ai aussi le cristal d'arc de Nassim Aramen. Et justement, le but est aussi de passer à certains endroits pour remettre de bonnes vibrations, hein, aussi à l'aide du cristal d'arc. Je ne sais pas si vous connaissez. D'accord. Oui, j'en ai entendu parler, effectivement. Oui, oui, oui. Ouais. Et donc, ils me disent qu'à travers vos mains, en fonction de... Alors, il y a plusieurs choses. Il y a la personne... Parce que là, c'est moi qui viens vers... En fait, bon, bah, ils vont voir, je suis un cobaye. Donc, là, je suis en train de venir vers vous. Et par rapport, ils me disent, aux pierres, en fait, que vous avez, c'est de pouvoir tester. Alors là, c'est impressionnant parce que je vois tester la personne. Non. Bon, là, c'est ma main. Je vous donne ma main. Et on voit que vous prenez en fait vous prenez ma main et en fait vous à travers le flux qui circule, enfin vous sentez circuler à travers moi, en fait vous êtes en mesure de pouvoir choisir la pierre qui me correspond. Et par rapport à cette pierre là, et bien en fait on vous voit la magnétiser pour qu'elle me corresponde complètement. D'accord. Ils me disent que votre magnétisme, en fait, c'est pas ils me disent que vous allez apprendre à l'utiliser. Vous avez un magnétisme, en fait, qui est en mesure de pouvoir faire beau. Enfin, ils me disent que vous n'avez pas encore conscience de tout ce que vous pouvez faire avec votre magnétisme. Ok. Ça peut être, alors, des piqûres. On a mis des piqûres. Ça peut être des piqûres, mais quand ils peuvent ressortir la piqûre aussi, c'est la brûlure que ça peut engendrer. Donc, votre magnétisme, il agit aussi sur les brûlures. Il parle de la brûlure aussi, il parle des zones. Ah, d'accord. Bah, visiblement, tout ce qui est en lien avec quelque chose qui pique et qui brûle, il agit très fortement. D'accord. Parce qu'il me parle des zonas. Le fait que vous puissiez rééquilibrer donc les personnes, elles nous disent tout ce que vous êtes en train de découvrir, là, c'est de pouvoir le mettre. Je vous dis comme ils me le disent. Ils me disent de pouvoir le mettre au service des autres. D'accord, mais du coup, je me demande comment faire. Enfin, est-ce que dans le mental, est-ce que j'ai des phrases à répéter? Ou est-ce que juste je laisse mes mains agir? Ouh là là, alors ne répétez pas. Ils me disent ça. Si, alors, en fait, d'accord, oui, non, mais vous avez raison, la question, elle est tout à fait, oui, elle est légitime. Je la comprends parce que eux, ils me font vous dire qu'ils travaillent avec vous, on va dire, à l'instant T, immédiatement. Voilà, il n'y a pas besoin de prendre du recul, de vous mettre dans une posture, une situation qui fasse que, voilà, je demande l'autorisation, voilà, j'utilise le magnétisme, ou voilà, je ressens la personne. Ça se passe, on va dire, immédiatement, dans le moment présent. D'accord. À partir du moment où vous vous permettez d'utiliser toutes vos attitudes, en fait, elles s'adaptent dans l'instant présent, en fonction de la personne, et c'est-à-dire qu'ils me disent, ça c'est hallucinant, elles s'adaptent en fait en fonction, alors comment ça, pour que j'arrive à bien vous traduire. Donc, bon, ben, ils me prennent comme cobaye. Donc, je vois que vous posez vos mains là. Alors, moi, je suis assis. Et vous posez vos mains au niveau de mes,
au niveau de mes épaules. Oui. Donc, là, vous posez vos mains et en fait, vous avez tout un tas d'informations. Vous arrivez à sentir, voilà, si je suis bien aligné. Vous arrivez à sentir si énergétiquement, il y a des blocages ou pas. Vous ressentez les émotions et en fait, il y a tout un tas d'informations comme ça qui vous viennent. Et justement, c'est ce qu'ils disent, à partir du moment où vous êtes complètement dans ce lâcher-prise-là, c'est parfait. D'accord. C'est là où vous allez avoir des informations. Alors, des fois, vous en aurez, des fois, vous n'en aurez pas. Vous allez juste dire, voilà, ça, voilà. Là, j'ai rien comme information, je ne ressens rien, mais je sais, je ressens que ça agit à ce niveau-là. Voilà, il faut que ça aille là. En fait, vous adaptez complètement à la personne. En fonction, ils me disent, donc là, je suis encore devant, et en fonction des informations que vous percevez de moi et de ce que vous allez me dire, eh bien, en fait, ils me disent que, Alain, alors, comment je traduis ça? En moi, en fait, les prises de conscience que vous allez mettre en évidence font que, énergétiquement, c'est pareil. Vous allez changer votre façon de faire assez rapidement. Donc, dès que vous vous mettez dans un schéma d'enfermement, donc voilà, il faut que je mette dans cet état-là, que je pose des questions, ou alors que je commence comme ça et que je termine comme ça, vous allez vous couper de vous-même. D'accord. C'est pas que ça n'agit pas, mais ça va agir beaucoup moins, avec beaucoup moins d'intensité, c'est beaucoup moins fort, et ça va vous frustrer, ils me disent. Oui. Et si ça vous frustre, bon, bah là, vous avez votre mental qui va venir, parce que est-ce que je suis bien, est-ce que je suis légitime? Est-ce que j'ai bien ces attitudes-là? Est-ce que ça tourne après en boucle. C'est ça. Donc, il me dit, et justement, plus vous vous libérez sur le fait de je fais en fonction de ce que je ressens, de ce que je dis, et je ne me ferme pas, justement, dans une façon de faire, c'est ce qui vous correspond. C'est le meilleur moyen, en tout cas, il me dit, de pouvoir aller vers la personne que vous êtes. Donc, déjà, vous êtes déjà bien découverte. Hein. Vous êtes bien trouvé, mais on sent que de pouvoir utiliser en tout cas tout ce que vous avez déjà mis en évidence de vous, voilà, d'aller un petit peu plus loin, mais ils me disent c'est vraiment dans pas de limite, voilà, je me contrains pas à de la contrainte. J'ai un ressenti, je l'exprime, je le suis. Voilà, je sens que pour cette personne, il faut que je passe de cette manière-là, que je l'emmène dans cette direction-là, alors je le fais. Si vous vous limitez, en fait, c'est l'intuition, hein. C'est, vous avez, on pourrait dire que ça, vous allez vous diriger en tout cas vers une forme de soins, de canalisation, c'est intuitif. Parce que ça s'intègre complètement à ce que la personne, alors, et quand elle vient vers vous, en fonction de ce que vous sentez et des avancées, en fonction de ce que vous transmettez, donc il faut pas. À partir du moment où vous êtes, ils me disent, dans l'enfermement, mais j'ai l'impression que ça a été un petit peu comme ça dans toutes les formations que vous avez peut-être pu faire. Ah oui, j'ai même pas fini celle de... Pourtant, j'adore Luc Bodin, mais j'ai pas réussi à la terminer sur les soins énergétiques, parce qu'effectivement, ça... dès qu'il y a un cadre, en fait, ça va pas. Le cadre, il peut correspondre à beaucoup de personnes, et c'est ce qu'il leur faut, mais ensemble, vous, vous n'allez pas aller au bout, ça va être étouffant. Vous allez avoir l'impression qu'on vous, finalement, peut-être qu'on vous impose, voilà, une façon de faire, qui n'agit pas en vous, vous avez besoin de liberté, d'expérimenter et de faire en fonction de vous. Donc, c'est-à-dire que là, ce que vous allez faire, ça fait mal à personne, vous n'allez pas mal faire les choses. Parce que vous avez, ils savent que vous avez besoin de ça, vous avez besoin de liberté, vous n'avez pas besoin de cadre. Oui. En fait, le cadre, ce sont vos propres limites à vous, c'est ce que vous allez vous empêcher de découvrir, c'est ce que vous allez vous empêcher de faire, parce que peut-être que vous allez douter de vous. Vous allez avoir un petit peu de manque de confiance, mais vous signez un cadre. Ça marche. Je m'excuse juste un instant, je reviens tout de suite. Allez-y, excusez-moi. Allez-y. Oui, non, allez-y. Merci à vous. Bonne journée. Merci. Excusez-moi, je peux marcher en même temps, il y a le placier. Ah, voilà. Non, mais c'est tout, bon, je me rassois à l'arrière du camion. C'était pour payer l'emplacement du stand, c'est bon. Donc là, c'est de pouvoir justement mettre en avant avec vraiment une totale liberté, tous vos ressentis, et c'est laissez-les parler, laissez-les circuler. Ils ne vont jamais se présenter, alors c'est vrai que ce n'est pas évident, parce qu'ils ne vont jamais se présenter de la même manière, avec la même intensité. Oui. Ils seront toujours différents en fonction de la personne et du lieu, parce qu'ils disent que vous êtes très sensible au lieu dans lequel vous évoluez. Oui. Donc, si le lieu il est vibratoirement très fort, vous allez bénéficier de ce lieu-là. Donc ça va être très facile, ça va être fluide et vous allez avoir, ils me disent, la sensation, voilà, d'avoir comme des... Alors comment je peux le traduire ça? Je sais pas si je peux dire des envolées énergétiques ou de conscience, mais vous allez ressentir que vous êtes voilà, dans un endroit qui vit vibratoirement fort, que vous en bénéficiez et que vous pouvez en faire profiter certaines personnes. Ils me disent, c'est aussi vous. Hein. Oui. Et puis sur des lieux qui sont
de mettre mes racines, voilà, assez tout autour de moi. Donc je m'enracine dans ce lieu qui est vibratoirement fort. Mais vous allez, sur la façon de travailler, vous allez le ressentir différemment entre un lieu qui vibre moins fort qu'un autre. D'accord. En fait, vous pouvez agir partout. D'accord. C'est juste qu'au niveau de vos ressentis, vous allez percevoir que le lieu vibratoirement, il est un peu moins, on va dire, il est sur une vibration un peu moins élevée. Donc ça va vous demander, vous, en tout cas, une connexion. Alors comment je vous traduis ? Parce qu'ils vont voir en fait un alignement, comme si vous vous permettiez en fait de pouvoir vous agrandir pour aller puiser en fait des énergies beaucoup plus hautes. Mais c'est, il me dit, c'est parce que vous allez vous adapter en fait au lieu. Mais le lieu, qu'il soit positif ou négatif, de toute façon pour vous, c'est bon. Okay. Il me dit, vous pouvez autant agir sur un lieu où il y a énormément d'eau, donc qui est source négative, mais parce que vous allez bénéficier aussi de cette puissance-là. Mm. L'eau me fait du bien, oui. Mm. Donc, en fait, vous n'avez pas de limite. C'est dur. Hein. c'est dur parce que vous allez plutôt évoluer en fait avec des personnes, vous allez les entendre, vous allez peut-être vous mélanger avec des personnes qui vont dire, mais oui, mais il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Faites attention. Hein. Eux, c'est plutôt leur mise en garde. Ça leur correspond à eux, mais ça ne vous correspond pas. Vous, il y a déjà beaucoup de protection. D'accord. Donc, la manière dont vous allez vous découvrir, en fait, vous allez vous rendre compte que si vous vous mettez dans une dynamique à devoir essayer dans une forme de contrainte et de vous donner un cadre sur votre façon d'être. Alors, j'entends, ils me disent d'être thérapeute, hein. Ils me disent ce que j'entends. Oui. Eh bien, vous n'allez pas être à l'aise avec vous-même. Ça va vous allez, en fait, soulever des questions qui n'auraient pas lieu d'être si vous vous laissiez complètement aller. Donc, dès que vous ressentez que vous posez des questions sur vous-même, est-ce que vous faites bien, j'ai des doutes, j'ai des angoisses, c'est que il me dit, si vous prenez un tout petit peu de recul, c'est que vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de vous limiter sur vos propres capacités, sur ce que vous avez envie de faire. Donc, c'est pareil, il me dit, ça, c'est pour pouvoir... alors, ça, j'ai plutôt l'impression que c'est par rapport aux personnes qui peuvent vous accompagner. Ça peut créer une forme de peur ou d'angoisse, hein, sur certaines personnes qui sont en mesure de pouvoir vous accompagner. Oui. J'ai l'impression que c'est plutôt du côté sentimental. Ouais. C'est ce qui m'attend vraiment. Je vais rester célibataire toute ma vie, quoi, si j'ai bien compris. Non, mais là, c'est ce qui me faisait ressentir peut-être plutôt le côté sentimental. C'est parce que cette façon de faire qui peut être voilà, vraiment dans la liberté, ouais. La liberté voilà, de faire, d'être, de ressentir. Ils me disent que pour certaines personnes qui sont en mesure de pouvoir vous accompagner sur votre vie sentimentale, ça peut mettre en tout cas en avant une sensation, ils me disent, d'inconfort. D'inconfort parce que bon, bah déjà vous allez très vite hein, et vous ne leur demandez pas de vous suivre. Ils me disent, ça c'est ce qu'ils vont devoir comprendre. Le fait que vous percevez tout très vite, mais vous ne leur demandez pas d'être comme vous, hein, c'est d'être tel qu'ils sont. Oui. Ils me disent que ça peut aussi créer une sensation d'inconfort parce que d'un seul coup vous allez pouvoir. Ils me disent, alors comment je vous traduis ça? Ah, j'ai l'impression qu'il y a déjà eu un travail de fait sur ça, mais c'est de vous désencombrer du matériel. Ah oui, je viens de rendre mon appartement fin janvier et je suis dans un camion de 6,5 mètres carrés. Ah, du coup, je me suis désencombrée. Il y en a encore, hein, ah. Encore un peu de matériel. Mais... Bon, parce que justement, une mise de fait que vous ayez voilà, commencé, le fait de vous désencombrer d'un point de vue matériel, ça peut amener aussi à créer une forme d'angoisse parce que justement les personnes qui vont être mises, certaines personnes qui vont être mises sur le chemin ont besoin d'un cadre parce que voilà, ça les rassure. Voilà. Il faut une activité fixe, il faut un revenu fixe, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Donc ce qu'il y a, donc il y a certaines personnes que vous allez ressentir tout de suite, voilà, qui ne sont pas en mesure de pouvoir vous accompagner parce qu'il y a ce cadre rigide qui est là, et que de toute façon, vous n'arriverez pas à les faire sortir de ce cadre. Parce que s'ils le font, ça va être dans de la souffrance, ça va être, enfin voilà, ils ne sont pas en mesure de pouvoir le faire. Donc, vous allez le ressentir tout de suite. D'accord. C'est plus de pouvoir, sur les personnes qui sont, alors, parce qu'il ne parle pas que vous soyez célibataire, que vous allez rester célibataire pour votre vie, hein, c'est pas ça. Mmh. Mais justement, c'est de pouvoir, alors comment je vous traduis ça? Parce que dans votre façon de faire, on a l'impression que vous allez vous fixer à un endroit, puis après, vous repartez sur un autre endroit. Pour l'instant, c'est ça. Enfin, je me vois pas dans un endroit précis, en fait. Pour l'instant, j'ai envie de voyager et de rencontrer les gens, ouais, un peu partout.
Là, c'est un petit peu ce qu'ils mettent en avant. Le fait, voilà, je vais dans un endroit, alors on pourrait dire un petit peu une vie un peu nomade, mais voilà, je vais dans un endroit, je m'en raffine pas, voilà, je vois ce qu'il y a à faire, j'observe, et puis après, je repars. Donc, ils me disent, c'est un endroit où vous n'allez pas. C'est une période sur laquelle vous allez faire beaucoup de rencontres. Oui. De toutes ces rencontres, de toute cette expérience que vous êtes en train de faire et vivre, par contre, après, visiblement, il y a une fixation qui est prévue. Vous allez vous fixer quelque part. D'accord, mais j'avoue que l'endroit où je suis actuellement, c'était pas prévu, mais ça fait déjà quelques jours et je vais encore y rester quelques jours. Ouais, mais j'aide les gens aussi en même temps. Enfin, il y a des gens qui m'hébergent et j'ai l'impression d'aider aussi. Enfin, la personne a parlé pendant au moins 6 heures d'affilée là l'autre fois, donc enfin, les gens se libèrent. Ah oui. Ouais. Donc d'une part, je me sens bien dans cet endroit-là, mais pour autant, je veux quand même continuer le chemin, mais j'y reviendrai, je pense. Je suis amenée à revenir ici, ouais. Oui, parce que ce qu'ils me disent, c'est que voilà, on sent que vous allez aller d'un endroit, puis un autre, puis à un moment vous allez vous fixer, vous allez repartir, mais ils me disent que de toute façon, au bout du chemin, il va y avoir un endroit où vous allez vous fixer. Donc visiblement, ils mettent quand même beaucoup la nature en avant. Oui. L'environnement, la nature, ils ne parlent pas de. Voilà, on va y revenir après. Parce qu'ils ne me disent pas de. Un endroit, voilà, où il y a du béton, ou on va dire citadin, voilà. Ah oui, non, ce sera plus effectivement de l'eau, des montagnes ou de la forêt, ouais. Moi, ce qu'ils mettent en avant, c'est ça, effectivement. Donc, c'est pour ça que ce tour de France, finalement, est très important, parce que ça vous permet de ressentir, en fonction des saisons, de ce que vous vivez, des vibrations, voilà, les endroits qui vous plaisent. Donc, oui, il y a des endroits où vous essayez de vous fixer plus longtemps que d'autres, et puis après, vous allez repartir. Hein. Mais ils me disent, de toute façon, au bout du compte, c'est de pouvoir avoir l'endroit, voilà, qui vous correspond, c'est. Ils me disent à la découverte de votre paradis. Ok. Donc, par rapport à ce tour de France que vous êtes en train de faire, ils me disent que par rapport au contact que vous allez faire, il va être important de pouvoir laisser une trace sur le fait qu'on puisse vous recontacter. Oui, d'accord, j'ai fait des cartes de visite hier soir, un peu Eh rapidement, bien, mais. c'est. Non, mais bravo, parce que c'est ce qui fait que vous faisiez comme ça. Ok. Vous m'impressionnez. Parce que vous faisiez pas justement des petits rectangles, là, de carton, voilà. Ouais. Et donc, oui, ça va être important, une liste, qu'on puisse, voilà, vous recontacter, que vous puissiez laisser une trace partout où vous passez pour qu'on vous recontacte. Parce que le travail que vous êtes en mesure de pouvoir faire en présentiel, vous allez pouvoir aussi le faire à distance. Et puis, il y a des personnes qui vont avoir besoin de vous retrouver. Hein, donc là, vous allez vous fixer, ah ben, c'est pas très loin, je vais pouvoir venir. Donc, les cartes de visite, bravo. C'est important. C'est très important que vous puissiez, voilà, laisser D'accord. une trace de votre passage pour qu'on puisse revenir vers vous par rapport aux conseils que vous allez faire. Parce qu'il me dit que c'est aussi la manière dont on va développer votre activité aussi. D'accord. Votre activité, elle se. Alors, c'est ça, oui. Bon, il va falloir réfléchir. Bon, je pense que vous avez déjà mis une forme de réflexion. Mais il me dit que c'est par rapport aussi, et là, bon, c'est peut-être pas confortable, mais comment j'effectue une tarification sur ce que je propose. Oui. Ça a été une longue, longue réflexion. Au final, j'ai mis à 80 euros, mais des fois, je reste 3 heures, 2 heures et demie, 3 heures avec la personne. Donc, en moyenne, on dit 1h30, mais en réalité, je vais au bout de la problématique et souvent, ça dure 3 heures, 2 heures et demie, 3 heures. Donc c'est ça, il y a donc il me dit le tarif, mais il y a aussi par rapport à tout ce que vous proposez derrière. Oui. Ça peut être, bah oui, bah, vous allez voir uniquement pour du magnétisme, pour des conseils en lithothérapie, pour des conseils sur les plantes médicinales. Donc, c'est de pouvoir dire, bah voilà, il y a un ensemble, ou alors individuellement, voilà ce que ça représente. D'accord. Oui, c'est ce qui, oui. C'est-à-dire qu'ils me font voir, voilà, comme s'il y avait un tarif, voilà, général. Et puis, bon, par contre, si c'est pour du magnétisme, c'est pour ça, comme ça, voilà, vous déclinez un petit peu les tarifs différents. D'accord. Donc, mais voilà, il y a un petit travail à faire de ce côté-là qui n'est pas évident. Ouais, c'est Parce clair. que je vois bien que des fois, parfois, vous le faites avec le cœur et puis ça s'arrête là. Ah bah Mais là. il me dit, c'est important. C'est important que vous puissiez le faire par rapport à des personnes qui vont sentir plus sensibles sur un domaine que sur un autre. D'accord, mais c'est vrai que vu que ça se passe souvent tout seul, en fait, c'est automatique. La plupart du temps, je me fais pas payer. C'est les gens que je rencontre, en fait. Voilà, comme c'est ça qui est pas facile, en fait. À travers les marchés, je peux éventuellement, voilà, avoir quelques personnes qui prendront un rendez-vous. Dans ce cas-là, ça peut être tarifié. Mais sinon, la plupart du temps, les gens vont se libérer, vont parler à mon contact et je vais leur dire ce que je ressens, enfin ce qui vient aussi intuitivement, ce que je canalise. Mais du coup, là, il n'y a pas de tarif, quoi.
Donc c'est pour ça qu'il vous amène à avoir une réflexion, en tout cas, sur la manière dont vous allez vous mettre en lumière. Justement, c'est de pouvoir expliquer, ben voilà ce que je peux vous proposer. Donc il y a des fois, on sent que ça va se faire naturellement, et puis des fois, c'est de dire, voilà, voilà ce que je peux faire, ça va vous... Parce que vous allez l'inclure, en tout cas, dans une démarche personnelle pour pouvoir pour que cette personne puisse se libérer, mais de façon consciente. Pour que le travail que vous fassiez n'agisse pas que sur quelques jours ou quelques semaines. Oui. Que ce soit vraiment quelque chose. Hein. Donc, ça veut dire que ça, vous allez devoir dire, bah oui, bah, tu sais, voilà. Moi, je suis encore là quelques jours, on peut se voir, je peux venir chez vous, ou venez vers moi, mais voilà, il y a un travail à faire. Il me dit, c'est justement, c'est partie de ce travail-là de vous mettre, vous, un petit peu plus en lumière et de mettre en avant, voilà, bah, une forme de tarification par rapport à ce que vous pouvez proposer aux autres. D'accord. Ah, bon, ah oui, et puis ils me disent, alors, il me parle du temps, justement. Le temps que vous consacrez aux personnes. Oui. Ça va aller très vite, ça. Ça va aller de plus en plus vite. D'accord. C'est-à-dire que là où vous pouviez peut-être passer, il me dit, sur certaines personnes, des fois 1h30, voire 2h, vous allez ressentir que ça va être beaucoup moins. Vous allez percevoir tout de suite. Et justement, comme une... Alors, comment je le traduis ça? C'est comme si la personne, voilà, vous parle, donc vous lui transmettez ce que vous ressentez, puis d'un seul coup, ça s'arrête. Vous allez avoir l'impression de vous dire, bon, ben là, ça y est. En tout cas, pour aujourd'hui, il ne faut pas qu'on aille plus loin. C'est de pouvoir, il me dit, de ressentir le moment où vous allez... Enfin, eux, vous allez recevoir le message en vous disant, bon, là, si on va trop loin, la personne risque peut-être de se perdre, et par rapport à ce que je dis, de ne pas le conscientiser. Voilà, donc il faut qu'elle puisse réfléchir, en tout cas, par phase. D'accord. Donc, ça veut dire qu'il y a des fois où vous allez peut-être rester très longtemps avec une personne, mais parfois un peu moins, parce que vous allez avoir l'information de dire, voilà, là, on s'arrête là, sinon ça va être une surcharge pour la personne, et puis à un moment, elle risque de se mélanger dans tout ce qu'elle va pouvoir entendre. D'accord. Donc, lorsque ça va, bah, évidemment, ça vous est déjà un peu arrivé, oui, ce que je comprends, c'est de pouvoir vous dire, bon, bah là, oui, effectivement, j'écoute le message qu'on m'envoie, on arrête là, c'est de pouvoir dire à la personne, écoutez, là, je pense qu'on a déjà fait beaucoup, il faut que vous puissiez prendre le temps, voilà, de laisser infuser ou de digérer ce que je vous ai transmis, d'y réfléchir, et puis de revenir vers moi quand vous allez ressentir que, voilà, on peut aller un peu plus loin, on peut approfondir le travail. Oui, parce qu'il me dit, c'est aussi pour vous, parce que sinon, vous allez... Le travail que vous faites, il est extrêmement important et précis, mais il faut que la personne puisse être actrice, ils me disent, hein, dans sa transformation, dans sa compréhension. D'accord. Donc, ils vont vous amener à un moment à... C'est pas qu'ils veulent ne pas aller plus loin, mais c'est qu'ils ont ressenti qu'entre le travail que vous avez fait et ce que la personne a compris, là, vous êtes arrivé vraiment sur quelque chose d'important. Et si on va plus loin, le risque, c'est que la personne, à un moment, se perde un petit peu et puis n'aille peut-être pas au bout de sa démarche, de la démarche que vous lui avez transmise. D'accord. Après, j'ai toujours peur de pas réussir la prochaine fois à retransmettre des infos. Quand ça vient, c'est vrai que j'ai tendance à vouloir aller au bout pour être sûr que tout soit transmis. Bon, c'est pour ça, c'est ce qu'ils disent là, ne soyez pas surpris. Bon, ce qu'il faisait sentir, c'est qu'il avait déjà commencé à le faire un petit peu, oui, mais ça va pas être systématique. Donc, que vous puissiez vous sentir à l'aise dans cette façon de... D'accord. Alors, je vais dire d'être... Hein, mais ils s'adaptent aussi, hein, donc c'est-à-dire que s'il faut aller plus loin, ils vous laisseront aller plus loin. Mais s'ils ont perçu que là, il valait mieux s'arrêter, ils vont vous faire vous arrêter. Et lorsque la personne reviendra vers vous, vous repartirez en fonction de ce qui s'est passé. Par exemple, si vous la voyez dans 15 jours ou 3 semaines, vous repartirez au moment où elle va venir vous voir avec tout le travail qu'elle a pu faire et comprendre. Vous n'allez pas repartir depuis le début parce que ça, ça y est, c'est travaillé. D'accord. Mais les informations, de toute façon, elles vous viennent, ils sont là pour vous rassurer, elles vous viennent de toute façon systématiquement. D'accord. Il n'y a pas à se poser la question de se dire, bon, il va falloir que j'essaie de me rappeler de ce que j'ai pu transmettre à la personne, vous n'en avez pas besoin. Ok. Tout, de toute façon, tout vous reviendra et vous repartirez au point de départ et alors comment je vous dis ça? Vous repartirez là où la personne doit partir. Donc, si elle a compris, vous ne reviendrez pas en arrière. Voilà, vous allez repartir de là où elle en est, là où elle s'est arrêtée dans son évolution. D'accord. Dans sa compréhension. Hein. Ouais. Okay. Donc ça va vite. Il me dit ça va vite, mais ça va vite aussi sur le magnétisme. Ok. Ouais. Là, il y a une. Alors, je ne vais pas dire qu'il y a une phase parce que vous êtes déjà dedans, mais ça s'accélère. Ok. Ça s'accélère sur les ressentis, sur les compréhensions. Surtout, en fait, il y a... Vous avez besoin de passer par
d'ailleurs, vous n'auriez même pas eu besoin de passer par moi. Bah, ça rassure toujours, non? C'est. Enfin, c'est toujours intéressant. Ouais. Et là, ils me disent, hein, le fait, c'est que vous puissiez voilà, être complètement, ils me disent, autonome sur la façon de recevoir les informations, les interpréter. Et si jamais il peut y avoir le mental qui intervient de temps en temps, et bien c'est de pouvoir se dire, bon, ben là, voilà, je sais que j'ai mon mental qui m'embête un petit peu, ça m'amène sur des doutes, sur des tensions, bon, ben, je mets ça de côté, et puis j'attends un petit peu, et puis d'un seul coup, le message, hop, il va passer d'un seul coup, parce que le mental, il s'est tu, et vous n'en êtes même pas rendu compte. Mais ça y est, l'information, vous la percevez. D'accord. Ok. Bon, tout est fait pour aller très vite, hein, de toute façon, hein, pour que vous ne perdiez pas de temps. D'accord. Ok. Juste au niveau de la santé, j'étais très fatiguée ces derniers jours avec des douleurs à l'estomac et des remontées acides. Je ne sais pas s'il y a un message par rapport à ça ou pas. Il y a toujours Eh des... bien, j'attends leur retour. Ouais, merci. Oh ben c'est vous. Bon, visiblement, c'est pas pour vous. Hein. D'accord. Non, ils me disent que vous avez absorbé. Ok. Vous avez absorbé quoi? Quand ils me disent absorber, on sent que vous avez plutôt absorbé des. Le mal-être de quelqu'un. Oui, c'est ça, c'est les émotions de quelqu'un d'autre. Hein. D'accord. Ça va mieux là? Moyen, ça dépend des jours. Ouais. Ouais. Parce qu'ils me disent que vous avez absorbé les émotions de quelqu'un d'autre. Mais apparemment. C'est censé se transmuter du coup. Enfin, ou pas. Alors, ils me font dire. Donc, bon, ça va pas durer, hein, mais. Non, ils me disent que ça ne va pas durer. Vous avez absorbé, donc ils me disent, voilà, les émotions de quelqu'un d'autre, son énergie. D'accord. Par contre, oui, ils me disent, c'est l'estomac qui a du mal à repartir. Oui, c'est ça, ouais. Des douleurs le matin en me réveillant, ouais. Non, ils me disent juste, voilà, c'est... Bon, bah, je vous dis ce que j'entends, c'est il va falloir calmer votre estomac. Calmer l'estomac, ok. Il me dit le câliner. Ah, le câliner, d'accord. Ouais. Ok. Donc, et quand il me dit ça, alors je ne sais pas si c'est des massages, parce qu'on voit qu'il y a comme des actions hein, qui sont faites un petit peu pour. De massage, en tout cas, voilà, hein, ah. Dessus pour lui faire du bien, pour le calmer. Donc, visiblement, il y a votre magnétisme aussi qui agit. Oui. Et ils me disent, voilà, aussi au niveau de l'alimentation. Attention à tout ce qui peut être. Irritant. On va dire, dans. Exactement, c'est ça. Ok, ça marche. Et du coup, les guides, comme ça, est-ce qu'on sait... Enfin, c'est vrai que mon mental est très curieux, donc aime bien savoir, mais il y a plein de choses qu'on ne peut pas conscientiser. Mais c'est des guides qui peuvent venir d'ailleurs, enfin, je veux dire, d'autres planètes ou des personnes décédées ou... Alors, oui, il y a plusieurs choses, effectivement. Ouais. Alors, il peut y avoir des guides, on va dire, qui sont en lien avec, on va dire, des défunts. C'est ouais. Assez rare, mais ça arrive. Ou alors, ça peut être aussi des maîtres ascensionnés. D'accord. Ça peut être le cas. Il y a aussi, et vous avez raison de le dire, en fait, des guides qui peuvent venir, on va dire, d'autres dimensions. D'accord, parce que la constellation d'Orion m'attire énormément depuis longtemps. Donc voilà, c'était une interrogation. Mais, ouais. Oui, non, mais vous avez vu juste, hein, effectivement, il y a des guides qui vont venir, voilà, comme ça, d'autres dimensions, qui vont venir d'autres, on va dire, formes de galaxies. Oui. Mais c'est sur des. Voilà, avec des. En général, on le ressent. Oui. On ressent qu'il y a quelque chose, voilà, on est sur des connexions particulières, des ressentis différents, que notre façon de on doit s'adapter au monde dans lequel on est. D'accord. Voilà, hein, c'est un peu ça, de se dire, voilà, où j'ai quelque chose, j'ai une mission à y faire, mais j'arrive pas spécialement à me faire comprendre, ou ma manière d'être fait que je vois bien qu'elle n'est pas adaptée, on va dire, à ce cadre dans lequel on nous demande d'être. Oui. Donc oui, oui, vous avez raison, vous avez complètement raison. D'accord, ok, merci. Eh ben, super.
Pour moi, ils sont partis, si je les entends plus du tout. Ok. Eh ben ouais, bah, j'espère. Bon, ben voilà, j'ai plus personne. Ça marche, mais en tout cas, c'est merci beaucoup. Après, j'espère réussir comme vous aussi à plus les endroits. Enfin, que ça devienne plus conscient en fait, parce que c'est vrai que ça passe tout seul, mais c'est pas tout. C'est beaucoup Bah, d'interrogations pour le mental en fait. c'est vrai que c'est pas évident. Là, ce qu'il disait, c'est que voilà, vous êtes en train d'éclore, donc vous allez encore apprendre à découvrir, sentir, ça va être de plus en plus intense. Donc, moi, j'ai pas de, enfin, ouais, personnellement, en tout cas, j'ai pas de doute, parce que la façon dont il communique avec vous, enfin, puis en plus, ça qui est très intéressant, c'est que le mental n'a pas le temps d'agir, en fait. Ça vient, boum, voilà, Ouais. c'est une vérité, voilà, je le sais. Ok. C'est bien parce que ça évite au mental de venir, mais c'est vrai qu'après, lorsque, bon, c'est normal, hein, vous êtes en train de le découvrir, et lorsqu'on laisse la porte au mental, bon, bah, c'est là où ça devient tout de suite plus compliqué, mais c'est ce qui va vous permettre de pouvoir vous dire, bon, bah, là, je sais que c'est mon mental. C'est lui qui essaye de me faire peur, de me créer des angoisses, des doutes pour pas que j'avance. Ça va vous permettre de prendre un petit peu de recul. Et puis bah, d'un seul coup, une fois que le mental il est plus là, vous passez à autre chose. Eh bien, la formation, c'est qu'elle va tomber tout de suite. Ok, super. Ça marche. Bon, bah c'est chouette. Merci beaucoup pour Je tout vous en ça. prie, il n'y a pas de quoi. Ce qu'il faut, c'est que ça vous parle, c'est surtout ça. Ah oui, bah ça me parle beaucoup. Oui, bah puis c'est vrai que ça me rassure quelque part sur la façon d'être. Oui, que finalement c'est logique. Enfin, ça prend sens du coup. Voilà, que j'arrive pas à respecter de cadre et que ça vient tout seul et que ça va très très vite. Oui, ça c'est clair que ça va très vite. Donc ça rassure. Oui. Donc ok, eh ben génial. Et là, vous êtes parti pour un tour de France, alors. Ouais, j'ai fin novembre, j'ai acheté le camion, je l'ai aménagé avec des amis et puis du coup j'ai tout dedans, j'ai tout, j'ai le lit, la douche, une plaque de feu pour faire à manger et mes affaires de marché. Donc ouais, là je suis en Provence, Alpes-Côte d'Azur, à la limite des Hautes-Alpes en fait. Oui, vous êtes de quel côté sur la région PACA? Je vois pas trop où est le PACA encore. Enfin, je suis à Sisteron. Sisteron, oui. Ouais, je suis au marché de Sisteron ce matin. Et D'accord, oui. ouais. Vous êtes par là, non? Non, vous êtes. Non, bah, moi, enfin, j'ai habité pas mal de temps sur Grasse. D'accord. Ok. Donc, non, bah, je venais souvent par là, bah, ouais, la montagne, faire de la moto, faire des balades. Oui, hein, Sisteron, ouais, je connais un petit peu. Excellent. Ouais, bah voilà. Puis après le but, enfin dans l'idée en tout cas au départ. Après je vais me laisser un peu porter, je vais me laisser guider. Mais le but ce serait de longer la côte plus ou moins et puis de remonter après par la Bretagne. J'ai à peu près 4 mois devant moi dans le sens où on garde mes chats dans le Jura pendant 4 mois. Donc voilà pour retrouver un pied-à-terre. Et une fois le pied-à-terre retrouvé, j'aimerais partir 15 jours chaque mois, pareil dans un autre département, rencontrer les gens. Donc on verra si ça se fait comme ça ou s'il y a du changement. Je sais pas du tout, beaucoup de points d'interrogation, on verra. Ouais, c'est un super projet, Ouais, mais hein. en tout cas c'est chouette, ouais. Alors j'ai une chaîne YouTube si vous voulez regarder. Alors, c'est Ah amateur, oui, ouais, bah oui. hein, c'est pas du tout pro, mais tant pis. Bon, moi ça me dérange. ça s'appelle Évolution. Et à côté, bien-être attaché sans accent. Évolution, bien-être. Et là, je vais partager des photos, des vidéos, des lieux où je suis passée. Donc là, dans le Jura, en Isère. Et puis là, ici, dans les Hautes-Alpes. Donc voilà, je fais des petits montages vidéo de 5 à 10 minutes. Et puis, pour Ah bah transmettre. je vais aller voir, ouais. Ouais, voilà, transmettre du beau. Et Ouais. puis, Bah oui, c'est non, c'est super. ouais, essayer Et de bah dans le redonner un peu de Jura, la joie. Oui? j'ai ma marraine qui habite là-bas. Ah, ok, dans quel coin? Elle habite à Dole. Ah, bah oui, je connais bien. Ok, j'ai habité un an et demi entre Arbois et Salins-les-Bains. Ah d'accord, oui. Bah oui, elle a fait Arbois. Elle avait D'accord. fait Arbois. Et puis là, donc, bah là, elle a trouvé son logement sur Dole. Et à la base, elle était du Var. Elle habitait dans le Var. D'accord, excellent. Et hop, elle est remontée dans le Jura. Voilà, elle adore. Donc, elle est partie là-bas. Elle est sur Dole. Ok, bon, bah super. Super, mais c'est une belle région, hein, le Jura, ouais. Ouais. Ah bah là, niveau montagne, ouais, c'est joli. Hein. Le paysage, il est beau par là. Ouais, c'est super chouette. Mais en même temps, en France, on a quand même vraiment de la chance parce on a des beaux paysages un peu partout au final, hein. Exactement. Ah oui, on a tout. Hein. Ouais. Donc voilà, puis mon site internet, sinon c'est évolutionbien-être.net, tout attaché. D'accord. Ouais. Oui.
Donc voilà, si vous voulez aller regarder, vous pouvez. Eh bien, je vais aller faire un tour. Exactement. Ouais, je vais aller voir tout ça. Ok, bon bah génial. Mais en tout cas, merci beaucoup, c'était super intéressant. Et puis ma foi, bah, je vais continuer, hein, puis on verra bien où ça mène. Oui, super. Je Bon, vous. bah, écoutez, en tout cas, je vous souhaite une très très bonne continuation. Oui, merci beaucoup. Merci. Bonne continuation à vous aussi. Bonne journée. Merci, c'est très gentil, c'est très gentil. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.